Merci, au revoir. Ça va bien, je ferai pas mieux comme entrée. Salut. Ouais, je parie. Il y a la famille, il y a des amis, il y a des voisins, des gens. Oh, c'est extraordinaire. Ça va la capitale? En fait, je te reconnais. Et c'est incroyable. Ça fait tellement longtemps que je monte sur scène, je connais les gens de mon public maintenant. Ça va, Michel? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta tête? T'as vieilli? On a tous vieilli, frère. Toi, t'as moisi, toi, non? Bienvenue, moisi. Bienvenue à tous et à toutes. Enfin! Enfin, ça faisait trop longtemps. Ça faisait des années. Enfin, je peux vous voir. Je peux vous toucher, t'es mort. T'attendais pas ça, hein? Je peux vous sentir. Yo! Non, par exemple, je sais que t'es venu en courant, toi. Si, tu sens un peu le parmesan, là. Wow! T'es belle, toi. Comment ça se fait? Je peux vous prendre un cheveu? Je peux vous prendre un cheveu? Un cheveu, t'inquiète pas, oula, ma traite. Je vais te faire du sror. C'est de la sorcellerie marocaine pour que t'épouses mon cousin du bled. Il a pas de papier, mskin, il s'appelle Hamid. Et gentil, champion d'aérophagie, tu vas le kiffer, tu vas voir. Rigole ta race, rigole. Tu vas voir demain quand tu vas te réveiller. Il est où, Hamid? Il est où? Je l'aime. T'avais qu'à pas te mettre au premier rang, chat. Parce que je remarque que les gens du premier rang, c'est les gens les plus chelous. De tout, toujours, de tout temps. Alors que les gens du dernier rang... C'est dommage que vous êtes des pauvres. Sinon, on serait des amis, sinon on serait des amis. Hein. Alors que les gens du premier rang, toujours chelou, toujours bizarre. Il y en a un jour, il se coupait les ongles des doigts de pied, ça comme. Le pire que j'ai vu dans ma vie, c'est à ta place, monsieur. Il y a un mec qui s'est levé un jour, il a crié « Hey, Jamel, t'as pas un chargeur ?» Mais non, chétan, ils ont jamais été au théâtre, quoi. C'est pour ça, au premier rang, sans aucune raison valable, je vais vous attaquer, je vais vous attaquer. Sur les habits, les chaussures, la mocheté, tout ça. D'ailleurs, toi, merci d'être venu. Il a amené tout le matos, merci. Ah, ça fait des années, je suis content. Oh, je suis content. J'ai envie de te taper. Non, tu m'as rien fait en plus, mais c'est de la joie, c'est de la joie. Voilà, je suis content, sa race. Ça fait trop longtemps, je te jure. Et pour ce spectacle, j'ai tout repris à zéro. Comme si j'ai joué dans des salles de 1 personne. Dans des villes que vous connaissez même pas, si ça se trouve. Rognognas. Vous connaissez Rognognas? C'est une ville, ça existe. Hein. Ça s'appelle Rognognas. J'aurais bien aimé être là le jour où ils ont trouvé le nom à la mairie, là. Qu'est-ce que tu proposes, Michel? Rognognas. Ça s'écrit comment? Rognognas. Et tu peux pas trouver de travail si t'habites à Rognognas. Tu peux même pas pêcher de meuf si t'habites à Rognognas. Excuse-moi, t'es d'où, toi? Paris. Et toi? Rognognas. Tu vas pas, t'as pas envie de pêcher. Après, on a été dans une autre ville. Tarascon. Tu connais Tarascon? Et je connaissais pas Tarascon. On s'est perdu à Tarascon, nous. Heureusement, on est tombé sur un monsieur. On a dit, excusez-nous, monsieur, s'il vous plaît. On est où, là? Il nous a répondu, Tarascon. J'ai répondu, ta mère pute. Voilà, direct. Tarascon, ta mère pute, connaissez pas la ville. Je connaissais pas ta mère. Et ce soir, où on est? Réveillez-vous. Où on est? Paris. Voilà, Paris. Ah là là. Hein? Parce que les pauvres, il faut qu'ils se... Non, mais Oulala Adim, c'est vrai, c'est souvent chez les pauvres, on a remarqué ça. Ils sont obligés de se dire à haute voix où ils sont, sinon ils sont perdus. Alors parfois ils sont comme ça, ils font, Paname!
c'est bon. Non, mais oula, miskin. C'est bon, tu sais où t'es? Tu sais où t'es maintenant? Hein? Banane! Non, mais nous, on se comprend. Nous, avant, moi, j'étais un... Avant, j'étais un pauvre, moi. Maintenant, je comprends tout ce qu'ils disent. Banane! Mais elle est pas là, ma mère, elle est pas là, non. Bienvenue à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à ce spectacle qui s'appelle Maintenant ou Jamais. Merci d'être venu. Ah, ça fait longtemps que je ne suis pas remonté sur scène. Si, je monte au Marrakech du Rire des fois. Vous connaissez Marrakech du Rire? Ah, ça c'est ma grande fierté, la vérité. On a reçu la terre entière de ce spectacle. Gad Elmaleh, Florence Foresti, Omar Sy, Victor Hugo, tous, ils sont tous venus. Eh, vous voulez y aller? Non, je suis sérieux. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Il est décédé. Ouais, parce que j'ai mis une falaise là-haut. Dès que tu dis un truc qui sert à rien, il y a une trappe qui s'ouvre. On en a dit, mais je voulais voir si ça marche. Elle marche, cette trappe. Alors, peut-être... Vous êtes encore là, monsieur? Elle marche, c'est des Chinois qui fabriquent ça. Hein? Ah, il est remonté. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis là. T'es là. Ouais. Ah, c'est bien. J'ai ma place ou pas? Oui. Oui, monsieur, oui. Quand tu vas au cinéma, tu parles avec Tom Cruise? Hein? Ah, question, j'ai une question. Quand tu vas au cinéma, tu parles avec Tom Cruise, tu lui dis, j'ai ma place ou pas, Tom? Tom, attends une minute avant, monsieur. Tom, non, on s'en fiche. Est-ce que j'ai ma place, Tom? Non, tu parles pas avec Tom Cruise. Hein? Ouais, mais tu fermes ta gueule quand même. Ouais, ça, je sais, ça. Je sais qu'on n'est pas au cinéma. La vie de ma mère. Mais tu veux quoi, toi? Tu veux te battre ou quoi, toi? T'imagines un peu? Il n'y a que dans mon spectacle où vous verrez ce genre de choses. Hein. Je vais te voir un spectacle de Pierre Palmade, Muriel Robin, Florence Foresti. Les gens, ils savent se tenir dans le spectacle de Florence Foresti. Hein. Les gens dans le spectacle de Florence Foresti, ils rigolent comme ça. Il n'y a que moi, ça part en couille, lui, il croit ses spectacles à sa mère, lui. Hein. Il croit que ça a sa mère, tout ça. C'est pour ça qu'il peut me parler. Ça n'est pas ta maman, cette salle. Frère, tu veux que je t'emmène au Marrakech du Rire? Crevard. Tu vois, c'est toujours ça. Tu donnes ça, c'est incroyable. C'est un gilet jaune, ça, je reconnais. Je suis pas un Marocain, moi, monsieur. Tu veux... T'es un Marocain et tu veux que je t'emmène au Maroc? La vie de ma mère, partout où ils peuvent gratter, c'est incroyable. Incroyable. Maniche. Bon, bienvenue. Vous voulez que je vous emmène à Marrakech? Oui! Je suis sérieux, ma parole. Vous voulez aller au Marrakech du Rire? Oui! Ok, je vous emmène. Ça coûte cher, ça. Hein? On a mis le paquet, et c'est vrai que ce spectacle, il me rend fou, je suis fier. Et le mur là, il est plus vieux que la Joconde. On a mis les meilleurs techniciens, le meilleur matériel. Franchement, c'est une grande, grande fierté. Mais, c'est un miracle que ça marche. Là, je ne sais pas comment c'est possible que ça fonctionne. Vous, à la télévision, vous le voyez, c'est très bien organisé, hein, devant le mur. Mais derrière le mur, on est en 1439. Il y a des nains avec des merguez.
Il y a n'importe quoi. C'est l'apocalypse, j'avoue. Mais heureusement, j'ai un régisseur marocain, Hakim. C'est lui qui me règle tous mes soucis. Et à Marrakech, on a des soucis. Il me règle tous mes problèmes. À chaque fois, avant chaque festival, je vais le voir. Je dis, c'est bon, Hakim, c'est bon, t'as tout vérifié? Il me dit, j'ai tout vérifié du A à 0, tout. Ça veut dire qu'il n'a rien fait, quoi. Par exemple, cette année, et je vous jure, hein, le spectacle, à chaque fois, il manque de ne pas avoir lieu. Tous les ans, c'est la même chose. Cette année, il y a un monsieur de la Wilaya. C'est l'équivalent de la mairie de Paris. Il est venu avec une valise, une mallette. Il avait 7 ou 8 cheveux, mais très longs. Il m'a dit, monsieur Jamel, voilà, j'étais chargé de la Wilaya pour faire un coupeur d'électricité de tout le festival, là. C'est impossible, monsieur, on commence dans 20 minutes, là. Le public, il est rentré, les caméras, elles sont installées. C'est impossible. Il m'a dit, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour 2 jours. J'ai appelé Hakim, je dis, s'il te plaît, règle-moi ce problème. Hakim, le régisseur, il est venu. Il a pris monsieur de la Wilaya, il est reparti. 20 minutes après, il avait tout réglé, ça reste. 20 minutes. Je lui ai dit, Hakim, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Il m'a dit, et je l'ai caché dans un petit placard. Je lui ai donné une couverture, il est bien. T'as caché monsieur de la préfecture dans un placard? Oui. Mais juste pour 2 jours, juste 2 jours, hein. Et la fois où Michael Youn, il est venu, tu l'as vu ça? Il est venu, Michael Youn, il jouait au festival. Et d'un coup, sur scène, hein, il est tombé dans une fosse sceptique ou... Oula, je me retourne, je ne le vois plus, miskin. Il ressort du trou, il avait les jambes en sang, tout du sang. Heureusement, il y avait un pompier marocain qui était là. Un grand professionnel. Il a vu ça, il est arrivé en courant. Oula là là là! Ouh là là! Alors là, ça c'est grave ça, là là là! Là, il faut appeler les pompiers, là! Je dis, mais vous êtes pompiers, vous? Ah non, ça c'est pas moi! Ça, mon cousin, il me l'a prêté pour rentrer gratuit, c'est tout! On a appelé le SAMU, il y a une voiture qui est arrivée à fond, elle a fait un dérapage. On a ouvert les 2 portières arrière, je vous jure! Il n'y avait rien dedans. Ils ont envoyé une fourgonnette blanche. Le mec au volant, il a baissé la vitre. Il est reparti en criant « Pimpon, pimpon, pimpon oh. !» Mais bon, on s'organise. Quand même, vous inquiétez pas, même si ça part en cacahuète parfois, on s'organise. Et comme c'est moi qui s'organise, et je vais, non, mais je vais pas lâcher l'affaire, on va, vous inquiétez pas, hein, on va progresser. Comme c'est moi qui s'organise, j'avoue, j'ai décidé de faire appel à une boîte d'organisation allemande. C'est des spécialistes de l'organisation, hein. La Grange Grange Vreinmatter. Voilà, ils sont venus au Maroc, les Allemands. Ils sont venus, les Allemands, et la première fois, ils n'avaient jamais vu de Marocain de toute leur vie. Ce qu'on a appelé, en tout cas. Ils sont arrivés, ils étaient choqués. Ils ont commencé à crier, « Asvangraï, merde, quoi, merde ?» Ils étaient pas, tu vois, ils nous ont vus travailler, et ils nous ont rendu un rapport, là. Vous voulez que je vous le lise? Oui. Paris, quand je te pose une question, tu réponds une réponse, d'accord? On n'est pas là pour rigoler, d'accord? On est là pour... Vous voulez que je vous le lise? Oui! Voilà, là d'accord, là oui, là d'accord. C'est des Allemands, ils nous ont rendu leur audit. Eins, zwei, drei. Ich liebe dich. Ich bin Berliner. Monsieur Debouze, premier point.
Malgré les observations attentives de votre société, nous n'avons pas pu répondre à la question suivante. Qui est le chef? Deuxièmement, nous ne savons pas de part les informations, où elles arrivent, ni même à quoi elles servent. Exemple, un mail groupé vers 180 personnes qui concernait la programmation du festival et qui disait « Est-ce que c'est vrai qu'il est mort Eddie Mitchell ?» Mail qui a généré plus de 16 réunions et l'achat d'un Kangoo tout neuf. Troisièmement, concernant la hiérarchie, trouvez-vous normal qu'un oncle ou un cousin ait plus de pouvoir qu'un chef de service? Exemple, notre proposition d'informatiser la comptabilité a été immédiatement rejetée par votre oncle qui nous a dit qu'il préfère tout retenir dans sa tête. Lorsque nous l'avons signalé, notre collaborateur a été griffé au visage par un individu masqué qui avait la même tête que... la même voix que votre oncle. Conclusion, une organisation déplorable, des profils psychologiques instables et beaucoup trop de sieste. PS, merci de nous restituer notre collaborateur qui est enfermé dans un placard depuis 2 jours. J'ai rien inventé, hein. J'ai presque rien inventé. Mais bon, ça progresse, ma parole, ça progresse. C'est un festival en voie de développement comme son pays d'accueil. Le Maroc, il progresse à la même vitesse que le festival. Il progresse, le Maroc, ouais. Oui. T'as entendu le berger là-bas? Ah ouais. Ça progresse, hein. Il ne veut plus parler, le berger, il est sur sa chèvre. Ça progresse grave, il y a le TGV qui arrive au Maroc, là. Hein? Téma, il y est déjà, la syndicaliste, il y est déjà. Eh, c'est vrai, il y est déjà. Nous, on a fait, ça fait pas longtemps, hein. Ça vient d'arriver, là. Putain, il y a 2 mois, il y a 1 mois. Tu sais ce qu'elle se dit, la Suisse, là? Elle est juste là, je la vois avec sa tête. 1 mois. Oui, je sais, c'est beau, mais eh, non, et on a fêté ça en famille, nous. Ah, je te jure, on a crié, on a fêté ça. Et j'ai dit à mon père, papa, tu te rends compte, avant pour faire Casa Marrakech, on mettait 4 heures, on partait à 8 heures, on arrivait à midi. Maintenant, on part à 8 heures, on arrive à 10 heures. Mon père, il m'a répondu, et qu'est-ce que je vais faire, moi, du 10 heures à midi? Comme un connard à la gare, t'es seul. Eh, il y a le Uber qui arrive au Maroc, là. Eh oui, il y a le Uber. Il y en a 3. Il y a 2 à Casa, 1 à Marrakech. Mais j'ai appelé pour voir si ça marchait. Hein. Ça marche, hein. J'ai dit, monsieur, vous pouvez venir me chercher? Il m'a répondu, viens toi. Non, bon, ça se passe. Franchement, non, ça progresse de fou. Je suis très fier. Et mais en matière de conduite, c'est chaud. On est d'accord, madame? La conduite, quand même... Ben oui, j'ai pris un taxi il n'y a pas longtemps, là. J'étais dans un taxi, madame. Je taxise bien. Et là, il y a une voiture devant nous, elle prend à droite sans mettre son clignotant. Et le taxi, il voit pas. Bah, il nous rentre dedans. Accident, sa gueule, le taxi, il sort et dit, hey, vous pouvez pas mettre votre clignotant? L'autre, il sort et dit, tu sais pas que j'habite ici? Alors là, j'ai dit, quand même... Au Maroc, on devrait mettre au point un système de permis de conduire. À point. Ou à coup de poing, à coup de poing. Dès que tu grilles, une priorité, coup de poing dans ta gueule. Et ça progresse, franchement. Moi, je suis très fier, ça progresse, le Maroc, de fou. Alors qu'il y a des pays qui régressent, hein. Quoi comme pays, par exemple? T'es mal, mec, la France. Il est en train de manger des schtroumpfs, il dit la France. C'est le bâtard. La France, ça régresse, bien sûr. Ça régresse la France, ta race. Hein?
Il y a la sécurité sociale en France. Il y a l'école gratuite. Oh, Michel Drucker. Ah ouais, arrêtez de dire que ça régresse, ça m'énerve. Je l'entends de plus en plus. Et rendez-vous compte de ce que c'est que la France. Hein. La France, ça régresse pas. La tête de ma mère, ça régresse pas. T'as déjà été dans les autres pays pour dire que ça régresse la France? T'as été où, par exemple? Qu'est-ce qu'il a dit? Au Pakistan? Ouzbékistan? Mais c'est où l'Ouzbékistan? Ah, Ouzbékistan, t'as mis le paquet, ouais, ouais, là. Là, on peut dire que ça progresse, la France, non? Mais c'est vrai, Ouzbékistan, voilà, là, on peut pas dire que. T'as déjà été au Burkina Faso, par exemple? Attends, je la note, celle-là. Alors là, attends. Burkina Faso, quand même, elle est. Celle-là, elle vient d'arriver. Hein. Merci pour celle-là. Non, là, franchement, ça régresse pas, la France. Vous pouvez pas dire ça, vous êtes fous. Bon, j'avoue, notre président, là, il galère en ce moment-là. Hein? Emmanuel Macron, il galère, la mesquine. Hein. Là. C'est vrai, il galère. Mais il y a un truc que vous ne pouvez pas lui retirer. On ne peut pas lui enlever à Emmanuel Macron un truc. Hey, c'est quoi cette salle là? C'est quoi? La vue de ma mère, c'est quoi? C'est moi qui fais les vannes ou c'est vous? Lui il en fait. Brigitte, l'Ouzbékistan, les Schtroumpfs. Hein? Non, mais frère, j'ai pas oublié Brigitte. Bon, attends. Il y a un mec au fond, faut le défoncer. Hey, reste là, mon frère, il va te ramener des gâteaux. Reste là, reste. D'accord? Oui, Brigitte, elle l'a pas oublié, oui. Truc de fou, ça, sur la vie de ma mère. Hey, je vous préviens, après, à partir de maintenant, je vais commencer à charrier. Non, hein, ça va pas ou quoi? Non, mais je pensais pas à Brigitte. Il y a un truc qu'on peut pas enlever au président de la République. Personne ne peut lui enlever, ça, c'est pas possible. Il est plus petit que moi! C'est un truc de ouf! Il a été élu à 39 ans! Ouais, 39, c'est pas un âge présidentiel! 39, c'est une pointure maximum, 39! Il est né la même année que Faudel. Qu'est-ce qu'on a foutu, nous, merde? La ville veut meurtre, non, non. Non, mais il y a un autre truc que j'ai bien aimé chez le président. C'est la première fois qu'il a dit bonjour à Donald Trump. Tu as vu ça? La première fois qu'il a dit bonjour à Donald Trump. Oh, il n'a pas eu peur, sa mère. T'as vu comment il lui dit bonjour à Donald Trump? Non, Nadim, j'ai pas peur de ta gueule, mon gars. On s'est dit, lui, il dit bien bonjour, lui, il a pas peur de dire bonjour. Et Donald Trump? Alors, on peut dire que ça régresse, là, non? Donald Trump, président des États-Unis? Aux États-Unis? Vous êtes fous, quoi? Vous comprenez rien dans cette salle, là? Aux États-Unis, c'est lui le président aujourd'hui. Avec ma mère, ça m'a choqué, ça, Donald Trump, président des États-Unis. Et pourquoi pas Dingo, maire de Paris? Venez, on essaye des combinaisons. Quelqu'un aurait pu imaginer Donald Trump président des États-Unis? Non. Moi, oui, tout de suite. Quand j'ai vu ses cheveux, t'as vu ses cheveux? Quand j'ai vu ses cheveux, j'ai dit, lui, il va niquer la couche d'ozone, c'est sûr. T'as vu ses cheveux? À mon avis, il a un seul cheveu, mais long, de 100 mètres, un cheveu de 100 mètres. Et tous les jours, il l'enroule dans sa tête, tous les matins. Eh, c'est pour ça qu'il est énervé chaque matin. J'aimerais bien le voir à la piscine, Donald.
À mon avis, il y a des gens qui doivent lui dérouler son cheveu. Allez-y, Donald, nagez, nagez. Nagez, on s'en occupe, nous. Nagez, vous, nagez. Il m'a vénère, ce Donald Trump, là. Parce qu'il a fait pleurer ma mère. Oh là, le jour de l'élection, Mskina, elle a pleuré. Elle m'a dit, on va tous mourir. Samedi ou dimanche, normalement. C'est dommage, mardi, il y a le marché. Je dis, Amma, ça fait 20 ans que tu me répètes cette phrase. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse, cet imbécile de Donald Trump? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ce Hamar? Là, mon père, il est rentré dans le salon, il m'a dit, hein. Parle pas comme ça de Donald, hein? C'est mon ami. Et la raison, il y a trop de Mexicains chez nous. Mon père, il se prend pour un Américain dans sa tête. Je dis, papa, tu peux pas dire ça parce que franchement, hey, c'est fini, papa. Maintenant, c'est Daddy. Comme crocodile, Daddy, voilà. Ah non, mais ça a retourné la maison. Mais de toute façon, les Américains, ils nous ont toujours surpris. Ils nous ont toujours, tu vois, faut dire ce qu'il y a. Ils ont toujours été surprenants, surtout dans tous les domaines, de toute façon. En matière de sécurité. Il n'y a pas longtemps, j'étais au State. Là, j'ai vu qu'ils sont devenus... Mais surtout en matière de sécurité. J'ai pris les longs courriers. Tu sais, quand tu prends les longs courriers, quand tu vas au State, tu vois, c'est quoi un long courrier? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? La poste? La poste, il a dit? Un long courrier, la poste? Elle est sur la vie de ma mère, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle? Hey, t'es malade ou quoi, cousin, toi? Hein? La poste, hey, je ne veux pas te laisser comme ça, je vais te faire une ordonnance. Voilà, oh Radim, je peux pas te laisser dans cette merde. 3 comprimés, ferme ta gueule, 500. Ferme ta gueule, 500. 3 fois par jour, pendant 1000 jours, ça va, 1000? Oui. Tu vas guérir avec 1000 jours, Inch'Allah. La poste. Mais non, frère, les longs courriers, c'est les avions qui volent longtemps, là. Et il croit que je voyage dans une grande enveloppe, le bâtard. Hein? Un timbre dans le cul, Minnesota, allez. Pst. Roya, la poste, réfléchis, merde. Bon, en tout cas, un avion qui vole longtemps, enfin, c'est un long courrier. Et moi, j'aime pas prendre ces avions-là. Alors, quand je les prends, on sait jamais, je file les dernières consignes à ma femme. Toujours, je l'appelle. Je dis, allô, chérie, ouais. L'argent, je mets dans le congélateur. Derrière les merguez, juste derrière les merguez. Ouais. Et là, il y a un Américain lambda. Il vient me voir et me dit, hey, put your phone down now. Put your phone down now, Arabic person. Je dis, what you speak to me to speak to you? Ça a chauffé dans l'avion. Vite, on est arrivé à la douane, heureusement. Et à la douane, t'arrives, il y a une longue ligne jaune. Tu la connais, la longue ligne jaune? Eh, faut pas la dépasser. Faut pas jamais la dépasser. Si tu fais du 43, tu vas en prison tout de suite. Et moi, j'ai un tout petit peu dépassé. Et là, il y a un douanier, il vient vers moi, il me dit, hey, put your phone down now. Je dis, mais j'ai rangé le téléphone déjà, merde. Il me dit, follows me. Bon, moi, je le follows. Je le follows. Et on arrive dans une grande pièce. Et là, il y avait plein de gens qui s'entraînaient à ne pas dépasser la ligne jaune. Oh non! Il y a des passing. Et pendant ce temps-là, on me posait des questions. Avant de rentrer au State, il y a un questionnaire. C'est vrai, hein? Première question. Avez-vous dans votre entourage une ou plusieurs personnes qui sont des Arabes? J'ai répondu non. Ah non. J'en ai jamais vu, monsieur.
Deuxième question. Comptez-vous commettre un attentat terroriste dans les jours qui suivent? J'ai répondu, on n'est qu'une jour là. Faut que je m'organise, moi. Troisième question, c'est la vérité. Hein. Avez-vous l'intention d'assassiner le président des États-Unis? J'ai répondu, assassiner, non. Mais lui tirer son cheveu jusqu'à Barbès. Attaché là-bas et laisser mes copains faire. Non, non, il m'a vénère, c'est Donald Trump, là. Mais parce qu'avec lui, la parole, elle s'est libérée, t'as remarqué? Hein? Le racisme est devenu décomplexé, quoi. Racisme streetwear, ça va? Un racisme couples, quoi, tu vois bien? Hein, t'as remarqué? Un racisme... Bluetooth, un racisme Bluetooth. Je te poque, sale arabe! Hashtag bougnoul! J'ai entendu des phrases que j'avais jamais entendues depuis, hein. Dans la rue, j'ai entendu des trucs de ouf. Hey, vous, les Arabes et les Juifs, vous êtes tous des sales noirs. C'est nouveau, ça. Hein? Quand je fais mon tour, quand j'étais en tournée et je suis tombé sur une ville où j'ai vu un truc chelou, je suis arrivé à Béziers. À Béziers, tous les ans, ils organisent un championnat de France de racistes. On l'a tous les ans, ils l'organisent en partenariat avec BFM TV, tranquille. Cette année, c'est Éric Zemmour qui a gagné. Et tous les ans, Marine Le Pen a voulu le faire, tu vois. Et les organisateurs, ils disent toujours à Marine, non Marine, non, non. Toi, t'es comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petite. Tu peux pas le faire. Et attends. Et dans ce championnat, j'ai vu un truc de ouf. Là, une catégorie de ouf. Le meilleur raciste étranger. Un noir raciste contre un arabe raciste. Le noir, il est arrivé, il a dit, moi, j'aime pas les noirs. Mais vous, vous êtes noir, vous, monsieur. Oui, mais ça ne va pas n'importe quel noir. Ça ne va pas la même noir aussi, hein. Nous sommes les noirs de Barack Obama, de Stevie Wonder. Nous sommes les noirs de Aimé Césaire. Et ce sont les noirs du Magic System. Ambiance de la brousse. Ça ne va pas pareil. L'arabe, il a dit, c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit, Bamboula? Et il a raison, Bamboula, parce que j'ai remarqué qu'il y a des arabes qui sont dans la France depuis des années, bisextiles, et qu'on n'y serait traité même pas par les Français. Et qu'on n'y serait traité même pas allons avant de la battre, le jour de gloire, ça fait plaisir. Oui, ils connaissent pas le générique de la France, merde. Mais bon dans maman. Tu as raison, couscous. C'est vrai ce que tu dis, couscous. Je t'appelle pas couscous, hein. Je t'appelle moi, Kirikou. Ils ont fait ex-aequo. Non, mais c'est vrai, ça m'a frappé, ce championnat. Non, mais je critique les Américains, mais nous aussi, on peut se critiquer. Hein. Aux dernières élections, là, 33% des Français qui vote Front National. C'est pas gentil. C'est tout ce que j'ai trouvé à écrire. C'est pas gentil. On est d'accord, c'est pas gentil. Non mais 33, franchement ça m'a frappé. 33%, c'est beaucoup 33%. 33%, ça fait un Français sur 3, 33%. T'imagines? Un Français sur trois, si ça se trouve, il y en a là. Hein? Si ça se trouve, c'est sûr. Mais mathématiquement. Mathématiquement, c'est, hein? Fais le calcul, un Français sur trois. Ça ferait 1, 2, 3.
C'est gentil, ça, c'est gentil. Attends, qu'est-ce que t'as fait, nous? Qu'est-ce que t'as fait? Tu vois ce qu'il a... Mais non, mais moi, j'ai voté Mélenchon, moi, putain. Non, non. Bien sûr. C'est une vanne, vas-y. Check. Ça fait plaisir de checker une raciste. Non, non, là, je... Mais non, je peux pas te laisser là-dessus. Non, mais c'est sûr que, franchement, moi, ça m'a travaillé. Forcément, il y a des racistes qui sont venus voir mon spectacle. Forcément. Obligé. Qu'est-ce qu'ils se sont dit en voyant mon spectacle, ces gens-là? Il m'a bien fait marrer, ce bougnoul. Ça doit être dans leur bouffe de bougnoul. Eh bien, Germaine, on va manger du khalouf. C'est comme ça que je les imagine. Eh, c'est caricatural, c'est méchant, je sais. Mais qui a commencé? C'est vrai. Mais attention. Voilà, moi, je porte pas de jugement, moi. Je porte pas de jugement. On est tous le raciste de quelqu'un. Sinon, on s'emmerderait, bien sûr. Bien sûr. Les Noirs, ils n'aiment pas les Arabes. Ils n'aiment pas les Blancs. Les Blancs, ils n'aiment pas les Chinois. Les Chinois, tout le monde les déteste. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. On est tous, tu vois. Mais ça, et en plus, c'est pas nous, hein, ça, c'est des réflexes, quoi. Des, enfin, oui, c'est des réflexes. Il faut lutter contre les réflexes. Un réflexe, c'est pas grave, à la limite, c'est un réflexe. Par contre, mettre un bulletin dans l'urne, ça, c'est plus un réflexe, ça. Parce qu'après, tu peux pas le... tu vois. Merde, je refais un réflexe. C'est plus un réflexe, c'est plus un réflexe. Non, là, tu vois, là, c'est grave. Et en plus, ça, c'est dû à notre environnement, tu vois. Tu vois, c'est dû aux amis avec lesquels on traîne, au contexte dans lequel on vit, aux livres qu'on lit, aux films, aux dessins animés. Aux... Tout ça, ça nous influe, tu vois. Mais oui. Hein? En soi. Mais je savais qu'il manquait un truc. Je ne savais pas où, devant ou derrière le mot, je ne savais plus. Derrière, influence, bien sûr. Bien oui. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux voir un spectacle en français, tu vas voir Lucini, tu me laisses tranquille, toi aussi. Là. Un juge, un mskena. C'est très bien qu'il t'a à faire. Influence, ouais. Bien sûr, les films, ça nous influence, les dessins animés. Regarde-moi avec tes yeux de Merlin Frit, là, qu'est-ce que je m'en fiche. Les dessins animés, ça nous influe, madame. Hans. Bien sûr. Les barbes à papa. Et de quelle couleur le papa des barbes à papa? Rose, merci. Barbie Bella, elle est violette. Barbidou, il est de quelle couleur, Barbidou? Il est jaune, il est doux. Tu connais pas tes classiques. Barbidou, il est jaune, il est doux. C'est le skel, c'est lequel, celui qui... Il fait toujours des bêtises, il casse tout, personne ne veut jouer avec lui, il a des piquants, il prend pas de douche. Lequel? Barbabou, le noir! Le noir, mskin, toujours! Et quelle couleur, Dark Vador? Ben voilà, parce que ça fait peur, le noir! Le noir, ça nous influe! Once, voilà, tu sais le dire maintenant. Bien sûr, t'imagines un Dark Vador rose, comme on n'en aurait rien à foutre! Je suis ton père. Je suis ta mère, ouais, regarde. Et même Motus, Motus. Est-ce quelle couleur la boule qui porte la poisse? Elle est noire. Ça, ça nous influe. On se voit là, oui. Mais moi, je te dis, je juge pas. Hein. Je juge pas parce que dans ma propre famille, on a des réflexes bizarres. Je te jure, c'est vrai. Dans ma famille, on a des réflexes. Un jour, je suis de ma famille. Il y avait mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh. Et on était tous ensemble dans le salon et on attendait le médecin de la sécurité sociale, tu vois. Et on apprenait à mon père à boiter, tu vois. Et puis... On a fait venir un boitologue de Roumanie.
il a montré tous les gestes à mon père qu'il fallait faire pour pas se faire choper. Tu fais comme ça, tu perds la bras, le bras, il le plie en même temps. Le bras, il le plie en même temps. Le bras, il le plie en même temps. Et là, ça frappe à la porte. Tu vois, ma petite sœur, elle court vers la porte, elle ouvre, elle regarde, et elle referme la porte. Ma mère, elle lui dit, c'était le médecin? Ma sœur, elle répond, non, c'était un noir. Et c'était le médecin! Et le médecin, il est rentré, il dit, oui, mais je sais pas n'importe quel noir. Bon, non, maman, couscous, merde, les avoir fait chier, putain. Bon, il y avait en même temps, tu vois, j'excuse pas, mais je peux comprendre, ces derniers temps, il nous est tous arrivé des trucs bizarres avec les événements, là, qui se sont passés. Tout le monde a des réflexes de flip, quoi. C'est ça, c'est à cause des événements, les gens, ils se sont dit, oh là là. Ben oui, quand j'ai commencé à monter sur scène, j'ai entendu des trucs chelous. Il y a des gens qui venaient me voir pour me dire, hey, Jamel, si tu montes sur scène, maintenant, tu balances. Tu vas et tu balances, hein. Non mais écoute sur toi et tu balances et t'as pas peur. Et t'as pas peur. Le problème c'est que j'ai peur. Ils sont heureux. Tu as vu Place de la République avec leur pancarte là. Oh on n'a pas peur. Oh on n'a pas peur. Il y a un ballon qui a explosé. Pouf, on a peur. On a peur. Après ils nous demandent à nous d'aller au charbon, ils sont marrants. Eux. Il y a même des gens intelligents, des intellectuels, soi-disant, des gens outillés, qui m'ont appelé au téléphone pour me dire « Bon, Jamel, maintenant, il faut que tu te désolidarises de ces gens. Ils font trop peur. Ouais, il faut que tu descends avec, dans la rue avec tes copains, les vous, là. Ouais, et vous désolidarisez d'eux, ouais. Ouais. J'ai dit, tu veux qu'on fasse une manifestation d'innocents, quoi. Hein ? On descend dans la rue et on crie « Oh, on n'a rien fait, on n'était même pas là !» Ah oui, c'est vrai. En plus, moi j'adore la France, j'aime bien le rock'n'roll. Mais moi aussi, j'adore Indochine. Et même un jour, j'ai mangé du cochon. Et doucement, Aziz, doucement. Mais j'ai pas fait exprès, c'était à la cantine. On peut pas dire ça, on va se foutre la honte, on est d'accord. Mais comme il s'est passé un vrai truc là, j'ai décidé dans ce spectacle de balancer un max. Attends une minute. C'est pas toi qui me dis que je balance quand je balance. Mais je balance, mais pas de manière frontale, cousin. Je suis pas un imbécile. Ben ouais, attends. Je balance, mais tu vois, à la manière de Jean de La Fontaine. Tu connais Jean de La Fontaine? Ben oui, lui, quand il voulait critiquer l'Église ou l'État, il écrivait des fables. Ah ouais, c'était le premier gilet jaune du Moyen-Âge, lui. Là, quand il voulait critiquer l'Église ou l'État, il écrivait des fables de lui, de La Fontaine, du lui, à base de métaphores animalières, tu vois. Tu vois, c'est quoi des métaphores animalières? Hein? La poste, tu vois le... Tu vois ce que c'est? Voilà, la mégale et la poule, la sardine et le poney, tout ça, là. La chèvre de Monsieur Seguin, c'est La Fontaine qui a écrit tout ça. Lui, il passait par des animaux pour critiquer la situation. Moi aussi, j'ai écrit une fable. Vous voulez que je vous la lise? Oui. Ok, ma parole, je vous préviens, ça va être chaud. Non, vous n'allez plus me voir pareil. J'ai écrit une fable, bon. Ouais, trop loin. J'ai décidé de remplacer les Arabes par des belettes. Des Arabes, les Noirs, les immigrants, tous ceux qui veulent habiter à Paris. Et les Français par des grenouilles. Les Français, les Belges, les Allemands, tout le Commonwealth. Ça s'appelle la grenouille et la belette.
Maître Grenouille, sur son arbre perché, avait de son bec plein d'argent et des visas de toutes les couleurs. La belette, elle, n'avait rien du tout que des sandales toutes pourrites et beaucoup trop de frères et sœurs, la pauvre. Elle lui tente à peu près ce langage. Oh, y'en a marre! Oh, y'en a marre! Monsieur dit la grenouille, qu'on a des sandales toutes pourrites. En plus, il fait trop chaud chez nous. Nous aussi, on veut des visas et des filles qu'on voit leur tête. Oh, 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 répondit la grenouille. Tu se calmes, hein? T'es pas chez toi ici, là. D'abord, t'as trop de frères et sœurs. Tu crois que je les vois pas les deux autres, là? Et ton pelage? Ton pelage, il m'énerve. Ton pelage, il est suspect. Voilà. Il se rapporte pas à ton ramage. Rien à voir. On dirait qu'il est en terre cuite, ton pelage. Ouh, de la merde. J'arrive pas à voir d'ici. À ces paroles, la belette vexée lui rétorquèrent. On n'est pas en de la merde. Merde! C'est parce qu'on est marron, c'est tout, hein. Bon, premièrement, nique ta mère déjà. T'es une grenouille, tu me fais pas peur, c'est la base, nique ta mère. Deuxièmement, si tu partages pas tes visas et ton argent, viens pas pleurer, hein. Mais la grenouille s'en foutèrent et appelèrent la police. Et la belette, avec ses frères et sœurs, par la forêt, se sauvèrent. Et voilà. Mais il me manque la morale de cette histoire. Hein? C'est ça, hein? Parce que La Fontaine, il finissait toujours par une morale. Ah, en rime, en plus, lui, il mettait les animaux en rime. Moi, par exemple, ça donnerait la grenouille se pâte 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 à fond. Quant à la belette, elle, se repas pâte 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 à fond. J'ai le son, mais pas le contenant, tu vois. Eh, Paris, je suis sûr que vous pouvez m'aider à écrire une morale. Hein? Avec la belette et la grenouille dedans, hein? D'accord? Des rimes en houille, on va trouver, c'est facile. Hein. Vas-y. Vas-y, Paris, la grenouille. Voilà, voilà, même pas un minute, même pas un minute. La grenouille, d'accord. À part celle-là, comme rime. Attends, la grenouille quoi? Elle a la trouille? Ben oui, 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 ben oui. J'ai dit la belette, c'était des Arabes, c'est normal. Ça, c'est sûr, ça, non. Elle n'a pas voulu faire de rime, elle a fait ouille! Ouille! Non, la grenouille. Ben arrêtez avec les couilles, merde! On entend couille, 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 grenouille, couille, 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 couille. Arrêtez! Ça y est, on a compris, oh! Bon, la grenouille, à part ce mot-là. Elle veut participer. Dépouille! La grenouille dépouille! Ah, la grenouille quoi, madame? Dépouille! Ratatouille! Elle n'a pas mangé avant de venir. Elle a dormi pendant tout le spectacle, elle s'est réveillée d'un coup. Ratatouille! Une ratatouille! Cousine! Vas-y, la grenouille! À la fouille! À la trouille! Non, on a dit ça, non. On a plein les fouilles, ça fait d'accord. Eh, c'est pas mal, c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. La grenouille, on a plein les fouilles, d'accord. On a plein les fouilles. Quant à la belette,
Hein? Elle a les cacahuètes. Cacahuètes? Vas-y. Elle garde ses claquettes? C'est pas une morale, ça, c'est une constatation, ça. Une morale, on a dit, une morale, quelque chose qui nous aide. Elle s'en bat la quéquette. Mais sur la vie de ma mère, c'est quoi ces expressions? Théma, il est au milieu, elle fait, elle s'en... Ta gueule, quoi, ta gueule! On est en train de discuter, là. Une minute, une minute. Mais ta... Laisse-moi analyser ce qui vient de se passer, déjà. L'autre, il dit, on s'en bat la quéquette. Je n'avais jamais entendu cette expression. Et toi, là-haut, qu'est-ce que tu disais? La belette, la raquette. Mais elle raquette... Mais oui, bon, si, j'ai dit que c'était des Arabes. Ça peut marcher, mais non, non, non. La belette, elle a pas de sandalette, mskina. La belette, elle a plein de dettes. Mais elle aimerait bien avoir des dettes. Elle aimerait bien avoir des dettes. Elle a que des sandalettes. Et des frères et sœurs. La belette, c'est la bête. Ça se voit que t'es une belette, toi. Ça se sent. Parce qu'elle fait tout sauf se la péter, la belette. Son rêve, ça serait de se la péter. La belette a pris perpète, pas mal. Elle mange des croquettes. Elle mange une raclette. Mais il faut de l'électricité pour une raclette, cousin. Bon, Hassol, vas-y, je vais voir ce qu'elle en pense. La grenouille, on a plein les foules. Quand elle a la belette, elle reste en claquette. Elle a la casquette, elle reste en claquette. D'accord. Eh, ok, on va voir ce qu'elle en pense. La belette, viens voir, s'il te plaît. La belette. Elle n'aime pas la lumière. Mathieu, éteins la lumière, s'il te plaît, elle n'aime pas ça. Je te remercie. La belette. Je vais te dire, c'est pas moi qui ai trouvé la morale, hein. c'est la morale des gens. La grenouille s'en met plein les fouilles. Quand elle a la belette, elle restera en claquette. Ça lui a pas plu. Elle n'est pas terrible. Hey, je vais vous lire la morale de Rognonias. De Rognonias. C'est là où c'est la morale qu'on m'a faite à Rognonias. Elle n'est pas très rimée, mais elle est de circonstance, je trouve. Si la grenouille ne s'accorde pas avec la belette, elle aura beau la mettre à la porte, elle reviendra par la fenêtre. Quoi qu'il arrive. Mieux vaut s'accorder avec la belette. C'est mieux. Ah là là, la fontaine, c'est extraordinaire, la fontaine. Et je vous conseille tous de relire la fontaine. Il y a toutes les réponses dans la vie, dans la fontaine. Hein? T'es mal, le mec, il veut donner des leçons. De bonne conduite, prends un verre. Si tu sautes, je prends un verre. Voilà, je le fais. Sois mieux, merci, je fais ça. Alors comme ça, on aura des vues, on aura des vues sur des clics, on aura des clics. Saute, s'il te plaît, je prends un verre tout de suite. Ah, il n'y a plus personne là maintenant. Hein. Alors ferme ta gueule à vie, si c'est possible. Mes cousins, tu sais, je te jure, hein, je fais le malin, mais la fontaine, c'est extraordinaire. Il y a toutes les réponses. Dès que je me pose des questions, la fontaine. Dès que j'ai des doutes, la fontaine, moi, direct. Dès que j'ai soif, la fontaine. Et j'ai un fils, il me pose plein de questions, donc il faut que je réponde maintenant. C'est ça qui a changé dans ma vie. Il faut que je donne les bonnes réponses, hein, sinon après, il grandit de travers, mskin. Tu vois ? Il faut que je trouve les bonnes réponses tout de suite. Et il me pose plein de questions, laisse tomber. Surtout sur sa double culture. Il voit que sa mère, elle est blanche, tu vois. Son père, il est marron, lui, il est beige. Il est banni. Il s'appelle Léon Ali. Dans la rue, il marche en crabe. Il sait plus, tu vois. Il me pose plein de questions sur sa double culture, tout ça. La dernière fois, il vient me voir, il me dit, papa, c'est vrai, c'est les Arabes qui ont inventé la bagarre? Mais non, fiston, les Arabes, ils ont inventé les mathématiques.
le diabète, la sieste. C'est les gitans qui ont voté à bagarre. C'est les gitans qui ont voté à castagne. Et Lopez, et Lopez. Je file des vraies valeurs à mon fils. Et non, mais c'est vrai, il veut que je lui apprenne à parler avec l'accent des Arabes, ça l'intrigue. Alors j'ai fait venir une grande spécialiste, ma mère. Ma mère, encore hier, elle m'a dit, putain, j'ai vu Mbappé à la télé, là. Il a le vent en poule, puis c'est lui, là. C'est à elle que j'ai confié l'éducation de mon fils. Et elle le kiffe, j'ai de la chance. Elle l'amène à l'école, elle le ramène, elle passe beaucoup de temps avec lui. J'habite dans un quartier, la classe, tu vois. Et l'école de mon fils, ma mère, elle la kiffe. Elle y va très souvent. Elle s'est fait deux nouvelles copines dans l'école de mon fils, ma mère. Brigitte et Ségolène. C'est les deux nouvelles copines de ma mère. Et ça énerve mon père grave. Parce que Brigitte et Ségolène, elles influencent ma mère. Maintenant, ma mère, elle veut des trucs. Elle s'engueule avec mon père maintenant. Avant, elle ne s'engueulait pas avec lui. Je rentre dans le salon, la dernière fois, j'entends ma mère crier. J'en ai marre, Ahmed. Je veux être libre. Je veux faire de la Zumba. J'en ai marre. Moi aussi, je veux passer le permis. Si toi, tu l'as eu, tout le monde y peut l'avoir. Hein. Je n'ai marre, mais je n'ai marre. Je veux faire du shopping. Comme mes copines Brigitte et Ségolène, du shopping. Mon père, il lui dit, calme-toi, Fatima, pas de problème. Oui, où? Ben, à Monoprix. Regarde mes copines Brigitte et Ségolène, comment elles sont belles. Elles ont des manteaux, il faut du shopping. Elles ont des chiens, des caniches. Moi aussi, je veux un chien, Ahmed. Un Yorkshire. Mais un York très cher, dit le mouk. J'en ai marre, Ahmed. Ne me laisse pas tomber, Ahmed, je suis si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. C'est à elle que j'ai confié l'éducation de mon fils. Mais pas toute l'éducation. Les devoirs, c'est moi, par exemple. Et ça, c'est un rire de foutage de gueule, ça, on est d'accord? Je reconnais les rires de foutage de gueule. Zama, je suis pas capable de donner des devoirs. De plus deux? Non, mais attends, Théma, sois gentil, un peu de sérieux. Tu crois que je peux pas faire les devoirs de mon fils, c'est ça? Comment non? Les gars, vous êtes fous ou quoi? C'est moi le cerveau de la famille, c'est moi. C'est quoi ce rire de... Hé, la vie de ma mère, je vais descendre. Encore hier, j'ai fait les devoirs de mon fils. Là, il travaille les hypoténuses en ce moment-là. Il m'a dit, c'est quoi un hypoténuse? Je dis, ben, un hypoténuse, c'est fiston. C'est quand on saigne du nez, mais des deux narines en même temps. Cosinus, une narine, hypoténuse, les deux. Les maths, ça va. C'est en français que je galère. Le passé simple, tout ça, ça c'est chaud, ça. Nous partit, nous partout. Nous flirter, nous flirtut, nous flirtim. Ça, c'est ça, ça sert à quoi, ça? Je dis à mon fils, n'utilise jamais le passé simple dans la rue. Hein. Si tu dis à tes copains, nous partout, ils vont te casser ta gueule. Hein. Ou là, ils vont te casser ta gueule si tu dis nous partout. Je te préviens. J'ai reçu un mot de la maîtresse, elle m'a dit « Arrêtez de faire les devoirs de votre fils, il régresse. » Mais je m'en s'en fiche. Voilà, moi, je kiffe. Et surtout, tu sais, bon, les devoirs, d'accord, mais tu sais quoi? Quand je le vois, mon fils, je ne peux pas m'empêcher de... C'est magique. Je me vois à travers lui. C'est vrai. En plus, il me ressemble, Mskine. Il fait tout comme moi, il a la même tête, enfin, tu vois. Et quand je me vois quand j'étais petit, quand j'avais son âge, fait. Et lui je compare nos vies, forcément, je me dis, mais lui, putain, la chance qu'il a, sa race. Il a de la chance. Et lui, ce qui m'énerve, c'est qu'il sait pas qu'il a de la chance. Il marche comme ça avec sa chance.
Ma chance, c'est ça. C'est grâce à moi. Grâce à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Oh là, il a de la chance. Il sait pas qu'il a de la chance. Il avait des baskets, des Reebok bébé, des Nike, des chaussures de marque. Bébé, il avait des chaussures de marque. Nous, on n'a jamais eu des chaussures de marque, nous. Nous, ma mère, elle nous a acheté des splouch à 10 euros le kilo au marché. Des splouch. Ça s'appelait splouch parce que dans la rue, ça faisait splouch, 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 splouch. Quand je me faisais courser, t'entendais splouch, 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 splouch. Lui, mon fils, lui, il a de la chance. Il a une chambre à lui tout seul. Nous, on était plein dans la chambre, nous. Il y avait de la buée sur la fenêtre. On respirait chacun notre tour. À toi. Lui, il a un lit à lui tout seul. Son lit, il est tout seul. Il fait ce qu'il veut dans son lit. Nous, on avait un lit triperposé, nous, triperposé. Mon frère Momo, il dormait tout là-haut. Et quand il tombait longtemps. 10 minutes de tombage. Et quand il s'écrasait, il dormait direct. Il a grandi avec un parachute jusqu'à ses 18 ans, mon frère. Lui, il a de la chance, lui, de fou, lui, il a de la chance. C'est pas qu'il a de la chance. Mais en même temps, si tu veux, il a pas de soucis, tu vois, ça m'énerve. Parce que pour moi, on se forge avec les soucis, tu vois. Lui, il a pas de soucis. Comment on va faire? Non, parfois, je lui crée des soucis. Je lui crée des petits soucis, parfois. J'attends qu'il marche devant moi dans la rue quand il n'y a personne, hop. Et tu sais, je mets une petite balayette, tu vois. Il lui fait... Il ne savait pas d'où ça vient. Il a un petit souci, voilà. Maniche, t'es maniche, hein. Non, je dis ça et en plus, je ne le pense pas. Parce que lui, il aura d'autres soucis que les miens. Moi, je pensais que le matériel, ça arrangeait tout. Faux. Usage de faux. Lui, il aura des soucis. Il a des soucis que je ne soupçonnais pas. Je ne savais pas qu'ils existaient, ces soucis-là. Ma parole. Et ben, tu sais, la dernière fois, je vais à l'école pour le chercher. Il était tout seul, comme ça, dans la cour. Personne ne voulait jouer avec lui. Comme ça. Je me disais, c'est quoi ces soucis là? J'avais... Moi je connaissais pas ces genres de problèmes là, personne veut jouer avec lui. Moi tout le monde voulait jouer avec moi. Je disais, arrête de jouer avec moi, putain, j'ai une marre là. Tout le monde voulait jouer avec moi. Mais personne veut jouer avec lui, comment ça m'a foutu les glandes? Je veux le chercher, il était comme ça. Oh putain. J'étais mal, je me suis dit, mais putain, mais. Si ça se trompe, j'ai fait un bouffon, tu vois. Pourquoi vous applaudissez ça? C'est un bouffon, c'est du côté de sa mère, c'est sûr. Ça. C'est pas Wham, ça n'a rien à voir. C'est pas nous, ça n'a rien à voir. Je peux le dire parce qu'elle n'est pas là ce soir. Non, mais attends, tu rigoles ou quoi, toi? Non, tu sais quoi? Et puis, heureusement, ben, je pouvais rien faire. Ça, c'était un vrai problème. Je pouvais rien faire. C'était un vrai souci. Et heureusement, il y a un petit garçon qui est arrivé dans sa vie, qui a commencé à jouer avec lui. Maxence. Alors lui, il m'a libéré. Il jouait avec mon fils, il lui donnait la main, il ne l'a plus lâché. Quand il faisait du toboggan, il lui donnait la main. Quand il faisait du foot, il lui donnait la main. Ils étaient tous les deux, ils voulaient plus lâcher. La liberté. Quand j'allais le chercher à l'école, Maxence, il ne voulait pas lâcher mon fils. Et j'étais obligé de tirer comme ça. Arrête, c'est pas ton fils, oh. Et je te jure, et quand je réussissais à extirper mon fils, Maxence, il faisait toujours la même chose juste avant de lâcher mon fils. Il lui faisait plein de bisous. J'ai dit à ma femme, il est beaucoup doux. Hein. Hein, il est beaucoup doux, quoi. Et...
Elle m'a dit, alors, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que son père, il est coiffeur, son père. J'ai bu. Elle m'a dit, tu commences à me faire peur. Comment ça, te faire peur? Le jour de l'anniversaire de mon fils, ils lui ont tous offert des Spider-Man, des Ninjago, des Gold Box. Maxence, ils lui ont offert un slip de la Reine des Neiges. J'ai dit à ma femme, il est beaucoup doux. Il est beaucoup doux, il... À mon avis, c'est un homo sapiens. Un homo sapiens de 5 ans. C'est un homo sapiens de 5 ans. Mais il ne sait pas, lui, Mskenny, tu vois. Arrêtez de me regarder comme ça. Je vous préviens, arrêtez de me juger. Ne me regardez pas comme ça avec vos yeux, là. Qu'on se mette d'accord. Bien sûr, je suis ouvert, je suis tolérant, je suis pour le mariage pour tous, bien sûr. Mais là, c'est mon fils, là. Ça n'a rien à voir. C'est un autre sujet qu'on discute. Bien sûr, je suis tolérant, mais il nous a pas appris tous les chemins de la tolérance. Eh, comment tu veux que je transmette un truc à mon fils que mon père il m'a pas transmis lui-même? T'es marrant, toi. T'imagines, toi, si je disais à mon père que j'étais homo sapiens? T'imagines? Mais t'as rien que d'y penser, j'ai froid à l'intérieur. Oh là, je me suis congelé un rein. Là, je me suis congelé un rein, là. Je ne pourrais pas avoir cette conversation avec mon père. Il est d'une autre planète, d'un autre temps. Papa? Papa? Père? Père? Qu'est-ce que t'en rêves, toi? Tu m'as jamais appelé père. Je n'ai jamais appelé père parce que j'ai jamais eu l'occasion de te parler. Père, te rappelles-tu quand tu me déposais à la campagne chez mon copain Kevin? Tu sais qu'est-ce qu'on faisait, nous, de sa chambre? De Kevin? On regardait des dessins animés. De Candy. Tu connais Candy, père? Dans la vie. De Candy. Toi aussi, t'es beaucoup doux. Ah, je peux pas finir cette conversation. Et c'est pas normal. Je peux pas la finir avec lui. Et on est en 2019. Oh. Non, mais si je vous en parle, c'est parce que ça m'a frappé. J'ai vu des familles se déchirer sur le sujet. Hein, je te jure. Genre, tu dégages de la maison, t'es beaucoup doux. J'en ai marre, c'est toujours moi. Après, finalement, 20 ans après, ça se rabiboche. Allez, vas-y. Après, c'est frappé, tout ça. Hein. Torturé, violenté. Bon, vas-y, vas-y, mais allez, c'est pas grave, t'es beaucoup doux. Reviens. Oh, merci, parce qu'il faisait froid dehors. Non, ma parole, non, 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 moi, honnêtement, moi, si ça m'arrive, je saute la case. Si mon fils, il vient me voir un jour, il me dit, papa, je te présente mon petit copain Maxence, eh ben, on s'organise, on voit combien ça coûte, au moins on fait un devis. Mais bien sûr que j'accepterai, c'est pas un sujet. J'inviterai tous les week-ends à faire un barbecue chez nous, Maxence, tous les dimanches. Qu'est-ce que tu veux, Maxence? Une merguez? Tiens, j'en étais sûr. Je ferai des vannes, bien sûr. C'est l'amour de mes enfants qui prime, c'est tout. Ouais, parce que j'ai des enfants. Quoi? Il y a des enfants dans la salle? Oui. Fais mal aux 25 ans. Oui. Des enfants de moins de 10 ans, il y en a? Ah, désolé pour les gros mots, les calembours. Il y a des filles aussi, il y a des garçons, il y a des filles. T'as quel âge? Ah, la trappe, elle s'est ouverte, merde. Toujours à s'ouvrir au mauvais moment. Tu as quel âge, ma chérie? 9 ans? C'est pas beaucoup, ça, hein? Ma fille aussi, elle a presque ton âge. Je sais plus exactement, mais... Mais qu'est-ce que je la kiffe!
Et une fille sur la vie. Mon fils, je le kiffe. Ma fille, qu'est-ce que je la kiffe? Si je pouvais la manger! C'est dommage, c'est interdit par la loi. La vie, ma fille, je te jure, ma fille, si je pouvais en faire un pendentif toute ma vie, je marcherais ça comme. Si je pouvais, ma parole. Et tu sais quoi? Le soir, peu importe l'heure qu'il est, 2h, 4h, 5h, après le spectacle, je la réveille dans sa chambre, je m'en ouf. C'est plus fort que moi, sa voix, c'est sa voix. Je vais la voir, je fais, chérie, ma chérie, Lila, Lila, ma chérie, Lila. Et elle fait, oh, t'as fait un cauchemar. Hein? Oh là là, je la réveille, je m'en fiche. Est-ce que je la kiffe? Et tu sais, avec elle, je rentre dans tous ces délires. Une fille, ça t'amène dans tous ces délires, tous les délires. C'est ça que j'ai remarqué, tu sais. Avec mes enfants, c'est pas encore monté au cerveau que j'étais papa. C'est pas encore arrivé. Ben ouais, parce que pour moi, papa, c'est... Charlie Gals, toi. Une mule, un chapeau, des bottes. Moi, j'arrive pas. Tu vois, papa, j'ai pas encore papaisé de ma tête. Et un papa, c'est grand, c'est la bagarre, la bagarre. Non, moi, tu vois, moi, je fais du 37, moi, sa grand-mère. T'as déjà vu un papa qui fait du 37? À la piscine, au petit bain, j'ai papier. Voilà. Quand je fais des photos, photomaton, le tabouret, je mets à fond, 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 fond. La photo m'arrive là, toujours, m'arrive là, toujours. Mais je m'en fous, moi, d'être grand. J'aurais, pour mes enfants, j'aurais aimé pas être de la même taille qu'eux, tu vois. Mais ma mère, elle a tout fait pour que je grandisse, Mskina. Tout. Elle m'a emmené voir un... Tout, elle a tout fait. Elle m'a emmené voir un grandissologue ici, là. Oh là, à Barbès, Dr Chang. Je jure, c'est vrai. Un Dr Chang, il existe, allez le voir, il est grandissologue. On arrive dans son bureau avec ma mère, je m'en rappelle, hein. On s'assoit, et le Dr Chang, il dit à ma mère, « Bon, Madame Dubouze, pour commencer, il est où ?» Ah, c'est ça, ah, le petit, oh là là. Bon, vous voulez qu'il grandisse de combien? Ma mère, elle a dit, ben, je sais pas, moi, 2-3 mètres, c'est possible. Elle croyait qu'elle a acheté du tissu, elle, Mskina. Et lui, il a donné une fiole, lui a dit, tenez, 4 gouttes, 7 fois par jour, jusqu'à ses 19 ans. Il fera 1 m84. Espèce de bâtard, va. J'ai arrêté les traitements la semaine dernière, j'arrête. Non, mais c'est vrai, ça m'a semblé bon. Hassol. J'essaie de faire des trucs de daron, tu vois, je bois du café, j'achète du journaux. J'achète de la fenouille. Voilà, je vais au marché, je dis bonjour, je peux avoir 1 litre de fenouille, s'il vous plaît. Je vois bien que c'est pas crédible en daron. Je l'amène ma fille à l'école maternelle. Eh ben ouais, je l'amène à l'école. Quoi, nos parents, ils nous amenaient pas à l'école maternelle, nous, hein. Tu te rappelles? Nous, on allait à la maternelle tout seul, nous, hein. Voilà, le plus dur, c'était de traverser l'autoroute, je m'en rappelle. Hein. Et vous voyez pas qu'on va à la maternelle, merde! Et quand je dépose ma fille à la maternelle, parce qu'elle pleure, elle veut pas. Elle... Maman, j'ai pas envie d'aller à l'école maternelle. Moi, je me reste dans le goût, j'ai pas envie d'aller à l'école maternelle. Je vais rester avec papa. Oh, t'as quand même fait ça sur la vie de ma mère. Ça me... Je sais pas quoi faire. À chaque fois, alors je la regarde et je lui réponds toujours la même chose. Je lui dis... Voilà, allez, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. C'est Charlemagne qui nous a dit qu'on fait ça. Après, c'est la dame de la cantine qui me ramène à la sortie. Avec la chnouna. Ah là 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 là. Non, mais c'est vrai, ça m'a quand même... La dame de la cantine. Mais la maternelle, elle est bien, la maternelle de ma fille. Mais les enfants, entre eux, ils sont durs. Bon, là, ils sont très, très durs. Ils sont très, très durs. Ils sont dans une cour de récréation. Allez voir comment ils sont durs, les enfants, entre eux. Pour moi, tous les enfants sont de droite.
Ils prêtent pas leurs jouets, ils partagent pas leurs goûters, ils font des emplois fictifs. Voilà, toujours, j'ai remarqué. Hein. Et la directrice de l'école de ma fille, elle m'énerve. Tout est bien dans son école, mais elle m'énerve. Parce qu'elle me demande toujours des services, et moi, je n'ose jamais dire non, tu vois, toujours elle me demande. Merci, monsieur Debouze, d'avoir accepté de faire le Papa Noël l'hiver dernier. Cette année, le ministère de l'Éducation nationale nous a demandé de travailler sur quelque chose d'un peu particulier. Des exercices d'évacuation en cas de danger. On se demandait si vous étiez d'accord pour faire le terroriste. La connasse. Et je dis, toi, tu veux pas faire la connasse dans mon prochain spectacle, madame? Des terroristes. Vous avez eu ça dans vos écoles, vous? Les exercices d'évacuation en cas de danger? Ouais? Oh, les bâtards. Et dans l'école de ma fille, il lui faut faire en chantant. Les enfants, écoutez-moi, on se range de par deux. S'il y a la sirène d'alarme, vous courez, courez, courez! Si la maîtresse, elle panique! Vous courez très vite, très vite. On se cache sous la table. On fait une farandole. On attend que les Arabes partent. Quand enfin ils sont partis, on peut sortir, c'est fini. Wow! Hé! Ma parole, ils ont traumatisé. Ils ont traumatisé ma fille. Pendant 15 jours, elle ne dormait pas. Dès qu'elle voyait mon père, elle se cassait sous une table. Obligée d'aller voir un pédopsychiatre. Tu sais, c'est quoi un pédopsychiatre? Mais moi, je ne savais pas, moi. Nous, dans ma famille, quand on a des problèmes psychologiques, on ne va pas voir les psychiatres. On va au marché. On achète des yaourts, 100 yaourts pour 1 euro, à manger avant le 15, on est le 15, on a le temps, on mange tous les yaourts, après on n'a plus de problèmes psychologiques, mais on a mal au ventre, c'est tout, on a que mal au ventre, c'est tout, d'accord? Merci, et voilà. Ah, c'est tout. Alors. C'est les liégeois d'un maître, là, tu le connais, cela. Ben moi, je vais pas voir un psychologue. Mais mes copains, ils m'ont dit, vas-y, Melja, vas-y. T'es un artiste, vas-y, vas-y. En plus, ça coûte rien, vas-y. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. 80 euros la séance pendant 16 ans. T'imagines, tout le yaourt que tu peux t'acheter? Hein, Hassol, j'y étais par curiosité quand même. J'étais par curiosité. Et bon, j'arrive chez la psychologue pour artistes, une psychologue pour artistes spécialisée. J'arrive dans la salle d'attente. Il y avait Joey Starr et Cyril Hanouna qui parlaient avec un écureuil en plastique. Après, c'était à mon tour de parler. Et elle m'accueille, elle te pose des questions, que des questions, c'est tout. Oui, madame, oui, oui, ben une enfance formidable. Ben j'ai enfancé avec mes. J'ai grandi avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Et on a grandi tous ensemble. Il y avait mon grand-père qui s'habitait avec nous, ma grand-mère, des cousins, des oncles, des tantes, des gens qu'on connaissait même pas qui habitaient avec nous aussi. Mais c'est comme ça que j'ai appris que mon grand-père, il avait déclaré son frère à la place de son fils. Ben comme ma tante, elle avait beaucoup d'enfants, elle en a donné un à sa sœur. Ça se fait chez nous, c'est gentil ça. Mais c'est comme ça que j'ai appris que ma mère, c'était aussi ma grand-mère, le même jour tout ça. Ben quand j'étais à la mairie pour demander une fiche familiale d'état civil, tous les ordinateurs, ils ont brûlé, madame, tous. Mon père, un super père. Ah, mon père. Un père à l'écoute. Un père.
espiègle. Ouais, vraiment, taquin, un peu taquin. Oui, c'est vrai, un peu taquin. Jamais de soucis, non, 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 non. Toujours très bien organisé. Hein? Ah non, si, ah non, si, peut-être si, si. Si, un jour il a essayé de m'écraser avec sa voiture parce que j'avais mis le chauffage à fond. C'est comme ça que j'ai vu que j'étais plus rapide qu'une 305. Des séquelles? C'est quoi des séquelles? Un petit chien? Un séquel? Non, je sais pas, madame, c'est quoi des séquelles? Ah non, mais ça, oui, bien sûr, j'ai des séquelles, bien sûr. Oh oui. Ben, quand je vois des Peugeot, je fais des crises d'épilepsie. Et j'ai fait caca au lit jusqu'à 22 ans, à peu près. C'est des séquelles, ça? C'est des séquelles? Oui. Elle est tombée par terre. Je dis, mais arrêtez, madame, relevez-vous, oh, oh, c'est pas ta vie. Elle me dit, n'avez-vous jamais eu de moments de grâce, de communion avec votre famille? Vous avez jamais rien partagé, des week-ends, des vacances? Je dis, mais bien sûr, madame, on a partagé des vacances. Mais j'allais pas lui raconter nos vacances. Elle aurait appelé la SPA, oula, elle aurait... Il y en a qui ont été en vacances au bled, en voiture. On peut pas raconter ça, c'est pas normal. Hein? Pour ceux qui savent pas, tous les Marocains, ils partent en vacances le même jour. Comme les gnous, tu vois les gnous? Les gnous, ils se parlent pas, ils partent le même jour. À 2h du matin, qui a inventé cet horaire de 2h? Qui? Qui? Mon père, dès qu'il sortait de la cité, M'skin, il avait envie de dormir. À fond sur l'autoroute, il avait envie de dormir. Et nous, on gueulait pour pas que. Et lui, ça l'énervait. Et il nous tapait. Et pour ça, il lâchait le volant longtemps. Arrêtez de faire du bruit. J'arrive pas à dormir. Une voiture chargée, sa mère. C'était un Tetris sur le toit, un Tetris. On avait tous la même bâche bleue. C'est qui ce fournisseur? C'est qui? Des pannes que t'as jamais vues. De la vapeur qui sort du volant, de la vapeur. Heureusement que ma mère, elle était là pour nous protéger avec ses prières. Mais ce qu'il a, dès que mon père il démarrait, elle a démarré ses prières. Et dès qu'il y avait un danger, jusqu'à Algésira, sa mère. Et quand je suis contrôlé par la police espagnole, pareil. Muchas gracias, oui, monsieur. Et les heures de repos, c'était pas magnifique, les heures de repos. Comment kiffer, moi j'adorais les heures de repos. Parce qu'il y avait de la pelouse, des lavabos qui marchent, eau chaude, eau froide. Il y avait des balançoires. Il y avait des balançoires. Comment c'était bien, les balançoires. Je disais, oh là, les aires de repos, c'était mieux que nos vacances au bled. Je disais à ma mère, Amma, viens, reste là, s'il te plaît, viens. Au bled, madame, il y a des mouches qui te mordent. Des mouches qui te mordent, oui. Elle vient, la mouche, elle lève le drap. Oh là, elle te regarde, ça comme, qu'est-ce qu'elle va me mordre? Et elle te mord sa race, la mouche. Et elle baisse le drap, la mouche, et elle repart. Elle vole même pas, cette connasse. Moi, j'aimais bien ce voyage, je l'adorais. Ce que j'aimais pas, c'était traverser l'Espagne. Ça, c'était le pire. Parce que les Espagnols, ils nous détestaient. Mais c'est normal, les pauvres, c'est normal, hein. Ils voyaient arriver 10 000 gnous dans leur station-service.
dans leur station-service 10 000 gnous. Et nous, on n'achetait rien, nous. Nous, on voulait que faire caca gratuit. C'est tout. Et on connaissait deux mots. Gratuitas, toiretas. Il y avait 10 000 gnous, ils faisaient tous caca en même temps. En partant, on disait même pas merci, on faisait ça comme... T'aimerais bien, on vient chez toi, on fait caca gratuit, on dit pas merci quand même. Je pouvais pas lui raconter ça à la psychologue, voilà, je pouvais pas. Ben alors appeler la DGSE, tu vois. C'est pour ça, moi, quand j'ai des je pouvais pas raconter ça à la psychologue. Moi, quand je vais pas voir les psychologues quand j'ai des problèmes. Je vais au marché, j'achète des yaourts. Je dénigre pas le métier de psychologue, hein, c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, c'est très important. On a tous des problèmes psychologiques. Dès qu'on peut, il faut sortir. Moi, dès que j'en ai, j'en parle à ma famille, à mes amis. Ou à moi. Je me parle à moi quand j'ai du problème psychologique. Je fais ma propre psy. Je fais mon autopsie, si vous préférez. C'est mon autopsie. Mais la grande chance que j'ai, c'est que je vous ai, vous. J'en suis conscient chaque jour. La grande chance que j'ai, c'est que je vous ai, vous. Paris! Paris! Merci! Merci! Du fond du cœur, merci! Merci beaucoup. Bon. Merci du fond du cœur, merci. Putain, ça fait chaud au cœur de jouer devant la famille. Vous êtes la famille maintenant, hein, quasiment. Ouais, je sais, non, mais... C'est pour être poli, toi aussi, là. En tout cas, merci du fond du cœur d'être venu. J'aimerais remercier Mohamed Hamidi, le metteur en scène de ce spectacle. Hichem Lamric, auteur. Toute l'équipe qui est avec moi depuis des années maintenant. Raphaël Benaroche, Antonio Cueta di Mundu, Léon Ali de Bouze, Sylvain Régnier, Yuri à la lumière, Yuri au son, Mathieu Lao, Manu, David, Mamadou Sangare, Olivier Kofidjin, Cop Security, Karim Kadouri, Johan Xili. J'essaie, il la met dans sa story après. Merci à toute cette équipe sans qui je ferai rien. Seul, on n'arrive à rien, c'est sûr. Je tenais à m'excuser pour ma voix. C'est elle qui l'a pris. Merci. Merci. Merci, cousine. Merci, t'es adorable. Merci, la famille. Merci à tous. Merci, là-haut. Merci. Merci à vous tous ici. Merci à tout le monde. Vous n'étiez pas obligés de vous déplacer. J'espère que vous avez ri. Je voudrais juste, si vous me le permettez, dédier ce spectacle à mes parents. J'en ai fait pas mal des spectacles, celui-là il est pour eux. Ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours dit oui, fonce à l'attaque, go. Hein? Mais t'es qui toi? T'es qui sur la bide même? Eh, tu vois, j'ai peut... Oh. Non, rien de grave, bien sûr, mais lui, c'est sûr, son père et sa mère et son frère et soeur, lui. Eh, cousin, je rigole. Mais je l'avais depuis tout à l'heure. Là, je me suis dit, s'il parle, je lui balance. Il a parlé, je lui balance. Mais non, mais bien sûr, alors écoute, frère, plus que des thunes, de la reconnaissance du fond du cœur. Tu sais, maintenant que je suis parent, je sais ce que c'est que d'être parent. Donc, à travers mes parents, je voudrais remercier tous les parents. Si vous avez des parents, embrassez-les. Si vous êtes vous-même parent, auto-embrassez-vous.
Je sais ce que c'est que d'être parent, la tête de ma mère, j'ai vraiment beaucoup plus de respect pour eux. Et une spéciale petite dédicace à cette génération d'immigrés que sont nos parents, qui ont fait un voyage absolument dingue. Un sacrifice absolument fou pour que nous, on puisse mieux vivre. Moi, je suis conscient de ce sacrifice. Et ceux qui sont dans la même situation que moi, soyez-en conscients et on transforme. Il faut transformer ce sacrifice, hein, c'est vrai. Tu sais, nos parents, ce modèle, il n'existera bientôt plus. Hein. C'est fini, ça. Et là, le vent en poulpe, ça y est. Hein. Tu vois, c'est pour ça qu'il est indispensable que mes parents passent un maximum de temps avec mes enfants et vice-versa. Ben oui, pour que ça se transmette, qu'on n'oublie pas, tu vois. Ça s'additionne tout ça, tu vois, ça se soustrait pas. Et en plus, mes parents, ils ont fait un voyage dans le temps, cousin. Dans le temps. Mon père, il est né à Teza. Teza, c'est une petite ville au Maroc, Teza. Ouais, mon père, il est né à Teza, dans une étable, comme Jésus. Oula, comme Jésus, avec de la paille, des poules, une chèvre, un œuf. Le premier truc qu'il a dû dans sa vie, mon père, c'est... je te jure. Moi, je suis né à Barbès, dans une cuisine, là, pas loin. Mes enfants, ils sont nés à l'hôpital américain, dans un iPad. Tu vois, entre la paille et l'iPad, le voyage qu'on a fait. Alors, plus que leur donner quoi que ce soit, ne pas oublier, tu vois, c'est ça, c'est le plus important, ne pas oublier. Et moi, la chance que j'ai, c'est que mes parents, ils passent du temps avec mes enfants. Mon père, il fait des trucs avec mes enfants qu'il n'a jamais fait avec nous, jamais. Il vient chez moi le soir, par exemple, et il leur raconte des histoires pour les faire dormir. Il appelle ça une perceuse. Ouais, c'est une perceuse, oui. Pour faire dormir mes enfants. Viens ici, Léon, allez, viens ici. Léla, viens ici, s'assoyez-vous. S'assoyez-vous, je vais vous raconter une perceuse. Pour faire dodo, bien, voilà. Il était un fois... dans un pays pas merveilleux, un sorcière qui n'avait pas de jambes et à la place du pied du chèvre, comme ta grand-mère. Et cette sorcière, comme ta grand-mère, elle a des enfants et un qui l'est connu. Sa femme, il fait des blagues, sa femme, c'est un journaliste. Tu vois? Oui, il est bien. Mais lui, c'est un radin de son père. Et son père, il est gentil. Son père, il est cool. J'ai jamais vu ça. Amr Hadar, il est doux. Il veut rien, des câlins, il veut des bisous. Un petit virement si possible. Mais la sorcière, ta grand-mère, elle veut garder tout l'argent pour elle. Pour faire de la zumba. Ouais, ouais, je sais pas quoi, ouais. Alors, tu dis à ta grand-mère, la sorcière, Léla, Léla, oh, oh, Léla, on n'est pas là pour dormir, oh, oh. Tu dis à ta grand-mère, la sorcière, qu'elle dit à ton père, qu'il me rend son argent. Voilà, oui, papa, pourquoi tu leur racontes des trucs comme ça? C'est des enfants, ils ne comprennent pas ça, eux, ça. Mais lâche-moi, toi, là. Mais je rigole, là. Y'a que toi qui le fais des blagues ou quoi là? Ah, je rigole avec mes petits enfants, je fais du jus de mots, des calembours, de conneries. Je rigole. Laisse-moi rigoler avec mes petits enfants, il ne reste plus rien là. Tu sais, je vais te dire quelque chose, je vous le dis. Je vais faire des choses avec eux, mes petits enfants, que j'ai jamais fait avec vous.
Et je vais leur dire des choses à eux que j'ai jamais dites à vous. Les enfants, venez. Lila, allez, venez. Je vous aime. Mais pas Louis. Si, si. Vous le dire, allez, vous le dire, si simple la vie. Voilà. Si je veux profiter de mes petits-enfants, si je veux profiter de la vie, c'est maintenant ou jamais. You should have never doubted me. I'm a work to my last breath. I'm a hustle to my last.